Salut tout le monde. Alors voilà la suite de la vidéo numéro 3. Alors maintenant on va exécuter pour voir. Et là, erreur. Pourquoi? Ah oui, car il manque quelque chose ici dans le code. Alors, point add. J'ai oublié d'ajouter point add pour chaque ligne. Alors, CTRL-V, 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 et voilà, donc ça marche. Ah oui, donc la même chose pour les guillemets. Normalement, les guillemets, c'est ici. Voilà, donc désolé. Voilà. Alors, les guillemets. C'est bon. Ensuite. Et voilà. Alors, ID guillemets, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On va voir s'il n'y a pas encore des erreurs. Alors, on va voir. Ah oui, là, exact. On a oublié E, create. Alors, create object. Alors, on va exécuter. Et voilà, ça marche. Donc, vous voyez, voilà les entêtes dans la liste view. Il reste seulement à ajuster la taille, aller dans fonts. Ensuite, Times New Roman Bold 2 par exemple, et maintenant exécuter, et voilà qu'est-ce que ça donne. Et voilà, donc tous les services pour filtrer tous les services, faire la recherche. Alors maintenant, on va voir comment programmer le bouton enregistrer, ensuite rechercher, modifier, supprimer, base de données et d'autres boutons. Alors, double-clic sur le bouton enregistrer ou clic droit. Ensuite, code. Alors, donc, bouton enregistrer. Tabulation. Alors, DIM. WS as worksheets. Worksheet. Set WS égale. WS égale this workbook. Égale this work. Égale this workbook. Point. Sheets. Le nom de la feuille, registre, registre, les guillemets, et ensuite on ferme. Alors, DIM, new row as long. New row égale ws.sales entre parenthèses ws.rows point counts virgule 1 ferme la parenthèse. End XLApp. XLApp, ferme la parenthèse. Row plus 1. DIM.
New ID. As string. Alors, diminue new ID as string. New ID, identification, égale. Légumes and format new row virgule entre guillemets 4,0 ferme la parenthèse. Alors, WSLs Neuro 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 virgule 1 ferme la parenthèse value égale égale quoi? New ID New New ID Alors, je vais dupliquer ça après faire la modification. Donc, on a. Alors, CTRL V. Alors là, on a 2, 3, 4. 5 et on a 6. Alors new ID, on va remplacer par mi txt txt date date point value. Mi txt service point value mi txt expéditeur value mi txt type or type type value il reste commentaire alors mi point txt commentaire value Alors, dim item as list list item set item égal me égale mi list view point list item point add entre parenthèses virgule virgule deux fois new id item sub item on a un entre parenthèses égal mi txt date date
txt date point value. Alors, je vais copier la même chose. Trois, quatre, cinq. Voilà. Alors, on a deux. C'est trois. Quatre. Et 5. Alors maintenant on va changer txt date par txt service. Service. Point value. Txt expéditeur. Point value. Txt type ou type, ensuite commentaire. Point value. Ça marche jusqu'à présent. Alors le message qui va afficher une fois enregistré des données. Alors message box. Box, c'est pas beau. Message box, entre par ligumé. Enregistrement ajouté. Voilà, c'est bon. Ensuite, il nous reste ajouter clear fields, vider les champs après l'enregistrement. Alors, clear fields. C'est bon. Voilà pour le bouton enregistrer. Alors je vais ajouter des codes pour vider les champs. Alors entrée. Ensuite, private sub clear fields entrée. Alors mis les noms des text box mis txt, on a date, alors date en value égale légumé, ça veut dire vider. Donc la même chose, mi textbox service txt, mi txt service. Value égale, c'est pas point, légumé, mais txt expéditeur, txt expéditeur. Value égale vide. Mi
txt type or type égale value. Égal les guillemets. Alors il reste commentaire. Mi txt commentaire. Point value. Égal. Égal vide. Alors, je vais tester maintenant l'application. Je vais exécuter. Alors, FM. Et maintenant, exécuter. Et là, je pense que ça marche. Alors, donc, date du courrier, par exemple, alors 3/1/2025. Alors service comptabilité expéditeur dans type facture commentaire, c'est bon. Alors donc maintenant quand je clique sur le bouton enregistrer, et là comme vous voyez, enregistrement ajouté avec succès. En même temps, et là, vidé les champs. Donc voilà le courrier ajouté dans registre. En même temps, il est affiché dans la liste view. Alors, toujours enregistré. Et voilà, donc la fin de cette vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir des boutons recherchés, modifier, supprimer, les bases de données, filtrer et exporter les courriers. Et voilà,